Bonjour à tous. Il me revient sur la gentille invitation de Yann Leroy de traiter du thème du risque de la privation de liberté pendant le Covid-19 dans ce cadre un petit peu particulier qui se développe de plus en plus, des colloques virtuels qui sont surtout virtuels et pas vraiment des colloques puisqu'ils nous privent de ce qu'ils font habituellement. La saveur des colloques universitaires, mais néanmoins, c'est avec plaisir que j'ai répondu à l'invitation de Yann Leroy. De quoi ne sera-t-il pas question dans cette courte présentation, mais il ne sera pas question des mesures d'isolement qui sont envisagées, parce que je vais privilégier une approche pénale. Alors, de quel risque pénal de privation de liberté parle-t-on pendant le Covid-19? Il y a peut-être le risque supposé, c'est-à-dire le risque de voir la responsabilité pénale des maires et des chefs d'entreprise mise en cause lors des mesures de déconfinement qui a donné lieu à de nombreuses discussions parlementaires avec finalement l'adoption d'un texte dans le Code de la santé publique qui ne fait que recopier l'article 121.3 du Code pénal et n'a donc aucune valeur normative particulière. C'est presque rassurant de voir que la crise ne change pas la manière de légiférer inutilement. Il sera question là de risques bien réels qui sont apparus. Le premier pèse d'abord sur les personnes qui ne respecteraient pas le confinement. Le second, plus particulier et plus spécifique, concerne la situation des établissements pénitentiaires et des personnes détenues particulièrement exposées au Covid-19, comme le sont les personnels, par ailleurs, de l'administration pénitentiaire, avec une réaction cacophonique de la part des autorités. En ce qui concerne le risque de privation de liberté en raison de la commission d'une infraction, on a eu deux étapes sur lesquelles on va passer très rapidement, faute de temps. La première, ça a été, au moment de la mise en place du confinement, de chercher à mobiliser les infractions de droit commun, et plus particulièrement le délit de mise en danger délibérée de la vie d'autrui, incriminé à l'article 223-1 du Code pénal. Plusieurs parquets ont mis en œuvre des garde à vue, puis des poursuites, on a même eu quelques condamnations, alors pourtant que ce texte apparaît totalement inapplicable au fait de violation du confinement. Il a fallu qu'une circulaire intervienne pour préciser au parquet que l'article 223-1 du Code pénal n'avait pas vocation à s'appliquer. La précision est heureuse, on aurait malgré tout sur ce point aimé une meilleure interprétation du texte ab initio. Le législateur est intervenu ensuite, les pouvoirs publics pardon, sont intervenus ensuite par la création d'infractions spécifiques. D'abord, le pouvoir réglementaire, avec le décret du 17 mars 2020 qui a créé une contravention de la quatrième classe, portant création donc d'une contravention réprimant la violation des mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la population, c'est l'intitulé du décret du 17 mars 2020, puis la loi du 23 mars 2020 qui a créé plusieurs infractions avec cette fameuse contravention de non-respect du confinement, constitue-t-il une contravention de la quatrième classe en cas de non-respect simple, en cas de renouvellement de la violation constitutive d'une contravention de la cinquième classe, et puis lorsque les faits ont été constatés une troisième fois, constitutive d'un délit faisant encourir 6 mois d'emprisonnement et 3 750 € d'amende. Alors, cette incrimination pose de nombreuses questions, puisque l'aggravation résulte de la constatation du comportement et non de la condamnation définitive résultant de la commission d'une infraction devenue indiscutable, comme c'est le cas en matière de récidive.
Donc, c'est une aggravation par réitération qui intervient alors pourtant qu'il n'y a pas de décision définitive de condamnation, ce qui pose plusieurs questions quant à la constitutionnalité de cette infraction. Alors, on sait que la Cour de cassation, il a été renvoyé à la Cour de cassation plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité sur cette infraction, figurant désormais à l'article L3136-1 du Code de la santé publique. La Cour de cassation n'a pas à ce jour encore statué. Évidemment, sa réponse sera attendue. Le cas échéant, si elle renvoie au Conseil constitutionnel, la décision du Conseil sera également très attendue, étant entendu qu'elle interviendra de toute façon tardivement, puisque l'infraction fin de confinement oblige n'aura plus vocation à s'appliquer. Cette intervention sera tardive, mais faute d'avoir saisi le Conseil a priori avant la promulgation de la loi, eh bien la QPC est le seul cadre restant. L'autre risque de privation de liberté beaucoup plus immédiat, c'est celui qui est subi par les personnes détenues, qu'elles soient en détention provisoire ou qu'elles soient condamnées. Pour les personnes qui sont en détention provisoire, on a eu une réponse particulièrement cacophonique de la part des autorités, résultant de l'interprétation de l'article 16 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la procédure pénale. Cette disposition de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la procédure pénale prévoit l'augmentation des délais maximums de détention provisoire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique. Et ce texte prévoyant une prolongation des délais maximums de détention provisoire a été interprété contre la lettre même du texte par la circulaire d'application de cette ordonnance et par un courriel de la directrice des affaires criminelles et des grâces, interprétant cette disposition comme entraînant une prolongation de la détention provisoire sans intervention d'un débat contradictoire, sans intervention d'un juge des libertés et de la détention. Le Conseil d'État saisi de cette question particulière n'y a rien trouvé à redire, alors pourtant que la lecture de l'article 16 et des autres dispositions de l'ordonnance n'exclut absolument pas le recours au juge des libertés et de la détention pour qu'il statue sur la prolongation de la détention provisoire. Donc en dispensant par des textes d'application les JLD de statuer alors que l'ordonnance ne dispense pas les JLD de statuer, on aboutit à une situation particulièrement floue, et il est prudent pour les JLD, du moins il aurait été prudent pour les JLD d'avoir pris soin de formaliser leur décision en recourant à un débat contradictoire, lequel, en vertu des dispositions de l'ordonnance, peut intervenir par visioconférence, voire par communication téléphonique simple, de sorte que la prudence sanitaire devrait, en quelque sorte, s'accompagner d'une prudence judiciaire. Et il faut attendre eh bien, les contestations inévitables de ces prolongations automatiques de détention provisoire qui seront très certainement examiné prochainement par la chambre criminelle de la Cour de cassation, avec un enjeu là très important d'interprétation par la Cour de cassation des dispositions de cette ordonnance. La loi de prolongation de l'état d'urgence sanitaire, qui n'est pas encore promulguée à l'heure où j'enregistre cette vidéo, de sorte qu'il est difficile de l'examiner réellement, voici ce qu'elle prévoit. S'agissant de la détention provisoire, elle prévoit qu'à compter du 11 mai 2020, la prolongation de plein droit des délais de détention provisoire n'est plus applicable et surtout que les détentions ne peuvent être prolongées que par une décision de la juridiction compétente prise après un débat contradictoire. Alors cette loi est étrange, d'abord en ce qu'elle modifie une ordonnance qui n'a pas encore été ratifiée, et puis, surtout parce que cette loi valide l'interprétation
de la circulaire et du mail d'application en quelque sorte, en laissant entendre eh bien, qu'auparavant, avant la date du 11 mai 2020, les détentions pouvaient être prolongées hors décision du JLD, ce qui, en matière de privation de liberté de personnes encore présumées innocentes, apparaît comme étant une atteinte très importante au droit de la défense et au principe de la liberté individuelle. S'agissant des personnes condamnées, le choix des autorités a été d'éviter toute réflexion sur une éventuelle loi d'amnistie qui aurait permis de régler le problème assez rapidement et d'alléger la charge des juridictions d'application des peines. Le choix qui a été fait dans l'ordonnance relative à la procédure pénale, ça a été de faciliter l'octroi d'aménagement de peine par des allègements procéduraux, alors sans entrer dans le détail faute de temps, mais on a prévu par exemple la possibilité d'octroyer les réductions de peine supplémentaires ou les permissions de sortie sans avoir à consulter préalablement la commission d'application des peines. On a prévu pour les suspensions de peine la possibilité de les octroyer sans recourir au débat contradictoire. On a prévu la possibilité d'octroyer une réduction de peine supplémentaire de 2 mois pour les condamnés à une peine privative de liberté à temps, en excluant toutefois certains condamnés, les auteurs d'infractions terroristes, les personnes qui ont été condamnées pour des infractions commises sur leur conjoint, concubin ou partenaire, et en excluant les personnes détenues, je cite, ayant eu un comportement de mise en danger des autres personnes détenues ou du personnel pénitentiaire au regard des règles imposées par le contexte sanitaire. Alors, cette exclusion des personnes détenues qui auraient eu un comportement de mise en danger, elle est particulièrement floue et surprenante. On aurait pu penser que c'était les personnes détenues elles-mêmes qui étaient mises en danger du fait d'être incarcérées dans des conditions difficiles, encore plus difficiles dans le contexte sanitaire. Eh bien, on a renversé la donne puisque ce sont elles qui peuvent se voir exclues des aménagements de peine alors qu'elles auraient mis en danger, mais on peut admettre que les termes ne sont pas très précis, les autres personnes se trouvant au sein de l'établissement pénitentiaire. On a également ressuscité un dispositif qui avait été mis en place et qui avait par la suite été abrogé, qui avait été mis en place par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, prévoyant une déjudiciarisation de sortie anticipée décidée par le procureur de la République sur proposition du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. C'est l'article 28 de l'ordonnance qui prévoit une automatisation de sortie anticipée sous forme d'assignation à domicile. Les aménagements, on le voit, sont essentiellement procéduraux. L'ordonnance a cherché à diminuer la surpopulation carcérale, ce qui est une chose heureuse et bienvenue. Et chose encore plus heureuse et bienvenue, c'est que ces aménagements procéduraux ont réussi en très peu de temps à concrètement, effectivement, diminuer cette surpopulation carcérale, démontrant ainsi que celle-ci n'est pas une fatalité et qu'il est possible rapidement, efficacement, de la diminuer. Malheureusement, autant on exprime beaucoup de craintes sur les risques de pérennisation en droit commun des mécanismes qualifiés de liberticides de l'état d'urgence sanitaire, autant on peut être beaucoup plus pessimiste sur cette volonté de pérenniser la diminution de la surpopulation carcérale et de recourir à des aménagements plus nombreux.